Salut YouTube, de retour bien sûr dans la chapelle de la confrérie pour la suite de nos aventures sur Dead Space Remake, bien sûr. Le plaisir est maximum. Je tiens à vous dire qu'il vaut mieux que vous ayez qu'une manette de brancher pour pouvoir jouer à ce jeu. En galère avec le... En fait, c'est marrant parce que les joysticks que j'avais branchés sur mon PC prennent la priorité sur quoi que ce soit d'autre, quoi, c'est terrible. Donc il faut vraiment jouer avec un seul contrôleur de brancher sur le truc, sinon ça sera fou la merde. Maintenant je le sais. Bon. Du coup c'est parti. On va commencer. Vas-y, on va jouer méga PK pour tester. Enfin pour tester, on a déjà testé, mais il faut commencer. Allez, c'est parti. Ok, la Touma, on aime. Cannot determine clearance level. Master security override required. D'accord. En même temps, vous allez me dire, je suis en train de me dire, c'est le cutter plasma qui dont on a plein d'armes, donc c'est lui qu'on va utiliser en vrai. Let's go. Putain, mais ma sensibilité, elle est... Allô? Non, mais not again. Ah non. Ah oui! Ah, je crois que je sais pourquoi. Oh non! Ah, attendez, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah merde. Oh là là, attendez. C'est vrai que j'ai foutu le bordel, en fait. Hier, j'ai créé des nouvelles scènes pour les moments où je fais les spoiler zones et tout ça, sauf que j'ai tout niqué, quoi. Sauf que j'ai complètement tout niqué, visiblement. Alors, attends. Est-ce que je peux pas arnaquer un truc ? Est-ce que sur cette scène, tout va bien ? Ouais, donc si je fais ça... Non, on devrait être pas mal, non? Et du coup, si je reviens sur cette scène... Voilà, et là, si je fais... Voilà! Ok... Alors, désolé, stream, début de stream laborieux... Oui, le fameux pont de fourrage. Let's go. Contourner le... Ah oui, non, mais c'est parce qu'on est au dé... Je sais pas, oh là là, je suis complètement perdu, là. Level 3 security clearance. Mais sauf que... The mining deck systems are running haywire. Great. Let me work on the elevators. Any idea where Temple's SOS beacon might be? I'll check the mining control room. The launch tube's there. I can send out a beacon easy. Anyone there? Hammond? Where are you? In the vents, hoping they don't hear me. Yeah, those things are everywhere. No, the unitologist. They're all here on the crew deck. They've lost it. One of them stabbed her friend in the head. He just stood there. He fucking smiled. They're going somewhere. Hammond! Lost the signal again. We gotta find that beacon, Isaac. Fast. Oh, j'ai eu peur. Oh.
cannot determine clearance level. Master security override. Oh, j'ai eu trop peur, bordel. Oh putain, j'avais zappé ce que c'était. Que de jouer à ce jeu. Ah, mais what the fuck. Ok, let's go. J'ai jamais essayé de prendre ces objets là. De les jeter sur une créature. Est-ce que ça sert à quelque chose ou... Alors, j'imagine que oui, sinon ça sert à... Enfin... Non, ça sert pas à grand chose quoi. Ok, donc là on a un établi... Oh, attendez. On a un établi, un truc de sauvegarde. Plein de trucs à loot. De... Oh là là, mais c'est parfait cet endroit. Ouais, j'ai vraiment l'impression que le jeu, soit le jeu, alors bon, c'était mon hypothèse de base, hein, mais soit le jeu te pousse à faire du à revenir sur tes pas parce qu'il y a tellement de trucs qu'on peut pas ouvrir. Quoi. Donc du coup, peut-être que les trucs que j'ai pas découverts encore, on les redécouvrira parce que genre analyser le. Donc, analyser le fucking tissu, quoi. J'aimerais bien le faire, mais je sais pas où c'est, quoi. Et je vous avouerai que j'ai un peu la flemme de faire un stream où on essaye de retourner toute la première map, là. Étant donné qu'en plus, comme c'est un endroit que j'ai déjà visité, la map peut pas m'indiquer où... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu chiant. Ok. Ah non, peut-être j'ai des trucs à vendre. J'ai rien à vendre. Ah si, peut-être. C'est ça. Non. Amélioration du découpeur, ok. Ok, let's go. Améliorons. Cinq points. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait pas dit que c'était parti pour le choc laser? Ouais, si, on a quand même bien pris. Hein. Hop, ça c'est quoi? Augmente la taille du projectile du tir secondaire. Ouais. Oh, c'est cool, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus clutch, quoi. Dégâts du tir principal? Ah, mais DTS, c'est dégâts du tir secondaire depuis... C'est pas sérieux. Ah, mais voilà, sauf que là, c'est... Ok. C'est vrai, je faisais attention au code couleur. Ok. J'ai un moment, mais en fait, ça se trouve, t'as complètement pas du tout amélioré ce que tu voulais améliorer. Non, si, ça va. J'ai eu peur pendant un instant. Donc déjà, ah bah du coup, dégâts du tir principal. Et puis, dégâts du tir secondaire, hein, les amis. C'est parti. Hein. Alors bon, je sais qu'il y a des succès liés à l'amélioration... entière des armes, mais bon, disons que... voilà. Je suis plus, on va dire que je suis plus opti que complétionniste, quoi. C'est-à-dire que les dernières améliorations, là, sur certains armes, elles m'intéressent pas, donc j'ai pas envie de les prendre, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le cutter plasma? Ouais, voilà, par exemple, la cadence de tir, pff, on peut rien à foutre, quoi. Quoi? Ah! Pique des dégâts, mais ça, c'est énorme, ça! Ah, j'avoue que ça, c'est intéressant, quand même. Hein. Mmh.
Et ça m'intéresse en fait. En fait, j'ai rien dit, ça m'intéresse. Donc en fait, il manque le point qui permet d'améliorer et qui permet d'avoir des dégâts sur la durée. Avec le bon. Pas qu'il y ait encore plus besoin de dégâts, mais. On va pas cracher dessus, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre tous ces... Vas-y, on va sauvegarder ici. J'ai l'impression que le jeu est en train de me susurrer à l'oreille. Il faut que tu fasses un truc avec ces trucs, mais je vois pas ce que je pourrais en faire. Enfin, à quoi ça va me servir. Mining subducts are locked down, even though all systems are running. I'm gonna figure this out. Oui, bah. C'est s'ils doivent être. Voilà, je pense qu'il y a d'excellentes raisons au fait que ça soit fermé, quoi. Je pense qu'ils ont pas fait ça pour rien. Je pense que. Voilà. Trouvé sur le pont de fourrage, brique de l'ingénierie. Ouais, mais moi j'ai envie de c'est tester les ponts là. J'aurais envie juste d'aller à l'endroit où on me dit d'aller. Ouais, ouais, patientez, ouais, ouais, ouais. C'est très bien comment ça va se terminer ces histoires. Hein. Voilà. Patienter, ouais, 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 exactement, ouais. Ouais, j'ai l'impression que ça tire, peut-être, parce que je... Juste que... Je voudrais que ça tire. Patienter, ouais. Ouais, je patiente, là. Il est pas plus patient que moi actuellement là. Patientez, je vous en fourrais de patienter. Bordel. Tout est verrouillé en fait. On a vu un... T'as cette capote là. Ok, ok, bah la déception est grande, hein. On aurait aimé...
Ah, j'allais dire, mais quand même, tout avait là. Non, ok, ok, ok. Beware Trap Surred. Ok. Oh putain, cet accent exceptionnel. Hein. Non, mais. Comment dire. Tu vas te prendre des trappes, non? Voilà. Vous voyez ce que ça fait de ne pas lire, hein, de ne pas savoir lire? Ouais, ah ouais, hein. La connaissance est une arme. Hein. Ah ouais. Parfait exemple, ça. Oui, c'est bien. Il s'est cassé la gueule du coup. Ça pue. Ça sent tellement mauvais ces histoires. Il y avait ça dans mon jeu, je me souviens pas de ça. Putain, genre on va se retrouver tellement en mode plan cul des enfers là. Ça va me popper dessus là. Pas pouvoir reculer. J'ai pas kiffé quoi. Dire quoi, voilà, on va se sentir obligé. Hein. Hop, bouteille. Ah, sauf que j'avais pas compris. Ok, et pas sérieux tout ça pour ça. J'imagine que c'est un raccourci. On va pas tarder à le débloquer. Vous allez. Je pense que vous avez besoin d'un pansement. Pansement mercurochrome, les pansements des héros. Ça devrait vous remettre dans des bonnes conditions, non? Pas d'accord avec ça? Ah mais j'allais dire, putain, ça ressemble à un rayon de minage, putain, ça s'appelle la station de forage là où on est. Hein. Appelons-le... Captain Obvious. On va jouer trancheur, hein, parce qu'en vrai le trancheur c'est hyper efficace. On l'utilise jamais. On a plein de munitions. Une raison de plus pour l'utiliser. L'efficacité. Je l'avais dit. C'est efficace ce trancheur. Vous pouvez voir. Mais encore un autre établi, mais what the fuck quoi.
Périmètre du pont inférieur EEI Cutter Plasma. Quoi ? Pile de détente, charge topographique, 3 sont blessés de Lingan et Lingan est hors combat. Attends, on va baisser un peu le son du jeu. Elle a court de médicaments, le reste des ressources, munitions, nourriture, eau et carburant des propulseurs tiennent le coup. Or, matériel nécessaire à la valise de détresse. Entrée 2. Accès externe câblé. Toutes les zones de forage sont connectées. Lingan est inconsciente, on ne peut rien faire. Entrée 3. Ils sont passés par la réaction du sol. Un de ces enfoirés volants est allé droit vers le corps de Lingan et on a fini par devoir en éclater 6 au lieu de 5. Les a découpés et envoyés dans la fonderie pour une crémation rapide. Autant assurer nos arrières. Charges topographiques ont lâché trop vite. On a perdu Schlegel, Fick et Zittel. Je n'ai jamais vu l'intérieur d'une tête. Je les ai amenés à la fonderie pour les incinérer et ensuite approvisionner l'inventaire. Je n'arrive pas à dormir. Entrée 5. C'est trop dangereux ici. J'ai mis de l'équipement dans un endroit plus sûr. Max Sweeney m'a suivi en me traitant d'égoïste. Moi ? C'est lui qui a mené ces choses droit sur moi. Mise à jour. Je me suis occupé de Max Sweeney. On a fait un tour à la fonderie. Je n'arrive pas à dormir. J'ai froid. J'entends les autres crier. Je vais mourir à cause d'eux. Lingan a raison. J'ai besoin de paix et de câbles. Et les fonderies ont besoin de carburant. Ok. C'est absolument pas sinistre. J'ai vu que la hitbox était généreuse du coup de pied. Je me suis dit, allez, autant ça passe. Bon bah, mais c'est bizarre qu'on ait hyper rapidement deux alors que j'ai rien pu ramasser. C'est chelou. Si on peut acheter des trucs, non, je sais pas. Elle est où la boutique ? Il y avait pas une boutique juste là ? Si. Ouais, non, on a pas assez d'argent. Pas assez d'argent, y'a rien à vendre. Enfin, si, on a des trucs à vendre, mais on va pas se mettre à vendre des munitions. Je sais que je suis en rat. Je suis un pixou de l'espace, mais quand même, quoi. Acheter des munitions, scandale, mais vendre des munitions, bon, j'en parle même pas, quoi. Vas-y, on va sauvegarder avant qu'il y ait une connerie qui se passe, là. Avant qu'on meure connement. Vas-y, non. Ouais. Je me suis heal. Bon, ça, de toute façon, je suis pas full vie, donc on va dire que... C'était pas du luxe, on va dire. Pas du tout l'arme adaptée à ça, quoi. Ça, ça aurait été parfait. Ça va partir en couille. Euh,
Alors, aujourd'hui a eu lieu le démantèlement planétaire d'Aegis 7. Il semble y avoir eu des problèmes au niveau de la planète, et nous avons temporairement perdu le contact avec la colonie, mais les attaches sont stables. Quoi? Attendez, il y a une colonie sur Aegis 7 ou genre... Non. Mais les attaches sont stables, avec un couple dans les paramètres acceptables. Le premier morceau de roche, 01032, a été extrait de la charge tectonique. Placement EQL5, environ une heure après le démantèlement de la planète. Il a été traité, raffiné et fondu avec pour échantillonnage. Les résultats ont dépassé les estimations initiales les plus optimistes. La récupération normale est d'environ 35% de minerais, 5% de fossiles et 60% de déchets. Mais les matériaux provenant du premier morceau étaient à 65% de minerais et 0% de fossiles conformément à nos attentes. Ça fait 6,5 tonnes de minerais provenant d'une boule de 10 tonnes. La production complète est en cours et se concentre sur EQL5. En supposant que ça ne soit pas une anomalie, on a touché une veine principale. J'ai 3 vannes graveleuses qui sont rentrées dans ma tête avec... avec cette histoire de veine, je vous en ferai aucune. Non mais ça va forcément partir en couille. Il y a des cordes partout. Et il y a des trucs pour combattre. Je veux dire, ça part pas en couille. C'est bizarre quoi. Sealed. Please contact Supervisor Dallas for authorization. Finally getting somewhere with the mining duct systems. Got the SOS beacon? No, and the launch tubes are sealed. I need a deck administrator's rig to get them open. The deck admin is Supervisor Dallas. He's on the processing subdeck. I've got rig activity for a Jacob Temple 2, maintenance subdeck. Maybe he left the... Tranquillement, et toi, Damasta? Just hope you can reach it through these malfunctions. Not malfunctions. Chapelle, traps. The miner's way of holding the line. Shit. Okay, I'll unlock the subdecks. Just make sure that beacon's not wired to anything. Okay. On est un peu fatigué, mais ça va. Écoute. Hein. On a l'habitude d'être fatigué et de chapelle. Ah mais je croyais que c'était une vue de la planète au-dessus de laquelle on minait, mais non, en fait c'est l'astéroïde, c'est ça en fait. C'est ok. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok, ah oui, ça, oui, ok. Le vaisseau est tellement grand que il s'amarre aux astéroïdes, quoi. Enfin, bon, bref. J'ai réussi à m'expliquer là où je veux revenir. Mais. Ça. C'est bizarre. Je sais pas, hein, je sais pas dans l'instant, en vrai. Je sais pas à quel point je suis loin ou pas. Je pourrais pas te dire. En plus que j'essaie de pas regarder le stream pour pas me spoiler. C'est quoi le tir alternatif de ça déjà, je sais plus. Non, je sais pas à quel point je suis loin. Mais j'imagine que au mieux je suis à la moitié du jeu, quoi. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Au pire, au mieux je suis à la moitié du jeu. Au pire. Parce
se passe beaucoup trop bien. Au pire, je suis au trois quarts, quoi. Au pire, je suis à la fin, mais j'en sais rien, en vrai. Vas-y, je me souviens tellement pas du jeu. Ah, et donc là, du coup... De toute façon, on va tellement se faire... Bon, attendez, on va chercher... On va prendre quelque chose avec du punch, quoi. Parce que là, on... c'est pas comme si on avait le temps de déconner, là, si on se fait attaquer dans ce... Ici, là, il y a... On a aucun espace de recul derrière. C'est le moment de jouer Cutter Plasma, quoi. Ah! Ah, mais c'est-à-dire qu'il y a un comité d'accueil, quoi. Bon, mais du coup, on va jouer ça, tiens. Mais... Ah, non, mais... Voilà! Mais trop bien, cette arme. En vrai, maintenant, j'ai envie d'augmenter cette arme aussi, quoi. Je la trouve beaucoup trop bien. Hey, Liz, it's Jacob. I couldn't reach you. If you find this book, okay, but I'll be right back. Go ahead. Survivor. It sounded terrifying. I'm gonna lock up the SOS beacon and go and get him. Best launch window's not for a while. Anyway, and he sounds like he's worth the risk. He's a doctor. Mercer, I think. About time. Got a fucking break. I love you. Please be careful down here. J'imagine que c'est sur son corps du coup que j'ai récupéré le PK truc là. Bon, écoutez, on va pas aller là-bas. Je propose. Au vu de ce que j'entends, de pas aller là-bas, quoi. Tout simplement, hein. Je croyais que j'avais une autre arme en fait. Ouais, let's go. Ouais, en vrai, elle est bien. Manque un peu de punch, mais. Elle fait café cette arme aussi. On va aller là. Oh bordel! Oh, il m'a vraiment fait peur, quoi. Oh bordel! Je suis pas rassuré. On va une balle 5. Vous, par contre, si je devais upgrade cette arme, j'avoue que je serais pas contre le fait d'augmenter ses capacités de rechargement, quoi. Vraiment, pendant que tu recharges, j'ai l'impression d'être là. Give me those tongues!
No, Ben was an accident. Don't you dare compare me to someone like Mercer. I'm trying to save you. The Markers are only hope. No, let him go. He's on. Après, comme je vous dis, on a un sacré arsenal là. Ah, pour se sentir pas trop en sécurité là, mis à part si on nous surprend, je veux dire, il en faut quoi. Vas-y, on va sauvegarder. Après, je sais pas, on est à 11h de... Ouais. Je sais pas combien de jeu de temps il dure. Hein. Globalement, ce jeu. Bon, ok, donc du coup, effectivement, on a vu tout ce qu'on avait à voir. On a peut-être changé d'arme, étant donné qu'un... Qu'est-ce qu'on a comme un truc avec beaucoup de munitions? On a avec beaucoup de munitions, pas grand chose quoi. On va prendre le fusil d'assaut, écoutez. Hein. Ok, let's go. Qui me parle ? Si vous êtes hostile, surtout, ne vous manifestez pas. Vous étiez aussi, ça servait à rien de se manifester, monsieur. On vous a prévenu. Hostile, ne vous manifestez pas, sinon ça va mal se passer pour vous. C'est aussi simple que ça. Allez! Alors, t'as pris quoi comme casque? Bah, moi, du coup, il faut toujours que... La dernière fois, vous aviez trouvé des... comment ça s'appelle? La dernière fois, vous m'avez trouvé des câbles, là, pour mon casque. Moi aussi, j'ai un problème de faux contact, mais le problème, c'est que, bah, en fait, il faut l'acheter aux États-Unis et avec les frais de port... Ça fait rapidement un câble à 60 balles, quoi. Minimum. Donc du coup, ça m'a un peu freiné, quoi, sur l'achat du câble, quoi. Et 60 balles, le problème, c'est qu'en vrai, c'est potentiellement déjà la moitié d'un bon casque, quoi, en termes de budget. Avec le truc haptique. D'accord. Il t'a coûté combien si c'est pas trop indiscret? Parce que en vrai. Et surtout sans fil. Ah, nice. On a plus de munitions de rien en vrai, c'est ça qui est chiant. Hein. Et du coup, vas-y, on va jouer. Ah oui, non, mais c'est un... Ok, c'est une boutique. Vas-y, on va jouer des plus forts. Thank you.
Il est bizarre, lui. Non, il était pas bizarre par rapport aux autres, je sais pas. Bref. Mais c'est pas. Ok. Après le sans fil, c'était. C'est hors de question de pas avoir un truc sans fil. Enfin, je pense que t'as compris où je voulais en venir, même si je me suis très mal exprimé. Someone tripped the failsafe. The control room door can't open till gravity's restored, but the system won't reset the gravity while there's loose debris. At least the processing beam's still running. Stand by. Donc, du coup, c'est. Quoi? Anomalie dangereuse détectée 4. Mais les anomalies, c'est quoi? C'est... pas compris ce que je devais faire. Oui, mais... Ah non, mais t'es en train de me dire que du coup, t'as acheté un câble sans fil uniquement parce que t'as eu un problème de fil? C'est un peu extrême, ça, non? Je sais pas. Ah d'accord, ah ok, oui c'est une manière de régler le problème, oui en effet, hein, je dis pas le contraire. Hein. Ah d'accord. Ah ouais, parce qu'après tu vois j'aurais pu comprendre que tu sois en mode oui bon ben, les fils fait chier tout ça. Ça je comprends quoi. Oh fuck, c'est pas du tout l'arme adaptée. Voilà. On va sortir la grosse artillerie. Il est où l'autre? Il est où l'autre? J'entends mais je le vois pas. En fait le problème c'est qu'il fait tellement de lumière ce rayon que je vois plus où je tire des fois. Ouais, c'est ça, il y a un effet de lumière qui fait que pendant un moment je suis plus où je tire quoi. Attends, on va le buter avec autre chose quand même parce que c'est un peu overkill. Ah mais comme il y a le train. Donc en fait tu me dis que t'as un casque sans fil mais du coup avec le traquier vu qu'il y a un fil bon. Ah, ok. Ouais parce que bon non c'est un peu tard pour dire ça mais pour le prix auquel t'as acheté ton casque j'aurais sans doute eu un excellent casque audiophile mais avec fil justement. C'est dans. Bon, le portalus, c'est écrit dessus, quoi. Et bon, après, si c'était pas ta priorité. Ouais, ben, ouais. En vrai, je sais pas si je le conseillerais. Moi, pour l'avoir, je sais pas si je le conseillerais. Le... Parce que, tu vois comment je vois le truc? Et surtout, j'ai l'impression que... En fait... bon, après, c'est vrai que je fais des grosses sessions, quoi, si tu veux. Mais quand tu fais 8 heures de Star Citizen, effectivement, il tient pas les 8 heures. Ouais, j'ai le sans fil.
Donc bon, ça veut dire qu'à un moment, il faut juste le rebrancher, quoi. Ça, c'est pas hyper grave, hein, on est d'accord. Par contre, là où pour moi, le sans-fil est problématique, c'est que j'ai l'impression qu'il fonctionne pas sans la batterie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du coup, et moi, ce qui est arrivé, tu vois, parce que ce qui est arrivé avec... Alors, il est arrivé après que le truc se soit cassé, si tu veux, mais bon, bref, j'ai fait tout un micmac où au début, tu sais, j'étais en mode, vas-y, vu que j'ai recommandé un autre Dylan Clip, là, du coup, j'étais en mode, bon, ben, vas-y, du coup, tu vas utiliser la base avec la batterie du vieux, comme ça, tu auras un an de rechange, sauf que, ben, au moment où je l'ai utilisé pendant une semaine, et la batterie, en fait, elle s'est mise à gonfler et tout ça. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Du coup, en plus, elle rentrait plus dans le truc. Bon, alors, j'aurais pu scotcher et tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Ben, pour moi, du coup, c'est un truc en plus qui peut défaillir. Tu vois ce que je veux dire. Alors, j'ai pas eu le problème parce que effectivement, j'avais déjà changé mon truc. Donc, du coup, j'avais... tu vois ce que je veux dire. J'avais déjà le truc de rechange parce que c'était le capteur, moi, qui... Les LED, en fait, qui étaient défaillantes. Mais... Ben, je te dis pas que ça vaut pas le coup. Je te dis que... tu vois... qu'il est pas parfait, quoi. Tu vois. Après, tu vois, moi, genre, effectivement, tu vois, quand des fois, je l'utilise sans fil, je suis content de l'utiliser sans fil, mais j'ai le même problème que toi. Moi, après, le problème, c'est que j'ai un casque avec fil. Donc, bon, au final, tu vois... Oui, tu l'utilises sans fil. alors attendez. Voilà, en tout cas, voilà. C'est mon retour. Après, c'est cool, hein, je dis pas le contraire. Hein. Genre, le tracker, ça fait... Tu vois ce que je veux dire? Genre, avant qu'il... Bon, en plus, après, mon tracker, il a été défaillant parce que, tu sais, comme... Ben, justement, comme je l'utilisais sans fil pendant un moment, tu vois, ben, en fait, je faisais pas trop gaffe, tu sais. Comment dire? Et je posais un peu à la wall again mon casque avec le tracker dessus. Et sauf que, bon, ben, en posant un peu à la wall again, souvent, mon casque, il tombait avec le tracker. Et c'est ça qui... entre guillemets casser le trachéaire, mais sinon mis à part ça, ça fonctionnait très bien. Mais ouais, c'est peut-être un peu plus fragile, quoi, tu vois, à cause de ces histoires de batterie, j'aurais tendance à dire c'est un peu plus fragile, et bon. C'est à prendre en compte, quoi. Après, tu vas me dire... Merde, c'est pas du tout la bonne arme. Je fais de la merde, je fais de la merde. De la merde, laissez-moi passer. Ah, c'est vrai qu'elle est bien cette arme aussi, hein, putain. Même si toutes les armes sont bien, quoi. Je me suis soigné deux fois. Non, c'était pas nécessaire. J'aime ma vie. C'est quand même dommage que quand tu te soignes... Alors que t'es full vie, le truc il la consomme quand même, quoi. Voilà.
j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois il y a le bruit du fait que ça consomme le truc, indépendamment du fait que tu sois plein de vie, quoi. Bref. Pff, oh là là, le niveau munitions, on est vraiment pas ouf, hein. Vas-y, je repassais sur ça. Et du coup, en fait, le problème étant aussi... Je sais pas si t'as trop le choix, en vrai. Étant donné que, tu vois, moi, j'ai... Du coup, je m'étais posé la question, mais je me dire... est-ce que je peux pas acheter le truc avec fil? Parce que, bon, en fait, bon, c'est bien d'avoir le sans fil, comme je t'ai dit. Donc, vu que j'ai déjà un fil sur mon casque... Et en fait, j'ai pas réussi à acheter le truc. Quoi? Allô? Ah, la porte m'est retombée dessus? Putain, alors... Waouh... En plus, hein, je suis pas rassuré. Je me suis encore soigné. Supervisor Dallas, final log. I've made sure they can't leave this subject. But neither can I. See what they do to the bodies. What they become. And I cannot let that happen to me. At least if I don't have any limbs, and I can't kill anyone when I'm infected. Please, tell Dawn and the kids that I love them. C'est... Oui, c'est une solution. Oui. C'est-à-dire que c'est comme Damasta, quoi. Oui, quand t'as des problèmes de câble sur ton casque, oui, mais tu peux aussi acheter un casque sans fil, quoi. Oui, oui, c'est une solution. Mais non, mais attendez, après, on est d'accord que, genre, ça me paraît mais humainement impossible. Alors déjà, il faudra qu'on m'explique comment tu fais pour couper tes quatre membres. T'as quand même besoin d'un pour... Ah non, mais il a pas réussi, il va couper les quatre membres, c'est ça? Il reste un membre, là. En vrai, s'amputer trois membres... Déjà, je pense que déjà tu tombes dans les pommes... Enfin, bref. Bon, solide. Il avait des balls. À défaut d'avoir des membres, il avait des balls, quoi. Genre... Mais oui, voilà, non, c'est pas possible. Hein. C'est pas... Au moins d'être shooté comme pas possible, quoi. Ouais, je me dis, avec des drogues, ça doit être possible, mais bon... Après, dans quel état t'es pour... Il faut que je m'ampute. Et bien, tout de suite, c'est amputé. Je pense que ça cause d'autres problèmes, quoi.
on se joue once again, hein. Putain, en vrai, il manque de... Putain, il manque d'un mode photo. Là, j'aurais trop aimé faire un screen, quoi. Regardez-moi cette scène. C'est grandiose. Ah bah, alors, du coup... Alors, attendez, parce que du coup, là, on peut enfin... Allô ? Ah oui, c'est parce que j'appuie sur N alors qu'il faut aller... Bref, alors qu'il faut appuyer sur M américain. On se croirait avec les chairs, ouais. Il est vrai. Ah, attendez, parce que... Je suis en train de me dire, mais... Ah. Putain, mais il y a toujours des trucs qui sont verrouillés, c'est l'enfer, quoi. C'est vrai qu'ils ont fait tout un travail sur la spatialisation là, du son, la spatialisation est exceptionnelle. Hein. Et c'est pour ça que ça me bute à chaque fois que joue à... D'ailleurs, hier je suis passé, ou avant-hier, je sais pas, je suis passé sur le stream de Master Snaku, il disait ça, j'étais en mode putain, mais merci quoi. Genre, à chaque fois que je joue à... Bon, j'y ai pas énormément joué, mais bon, bref, pour le peu que j'y ai joué, à chaque fois que je joue à Escape from Tarkov, je suis là en mode putain, j'arrive pas à reconnaître d'où viennent les trucs quoi. Genre, les bruits de pas, j'ai aucun souci. Les tirs, genre j'arrive pas à savoir d'où viennent les tirs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, y a pas de problème de spatialisation du tout. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que genre la spatialisation du son, ça a jamais été un souci dans aucun jeu pour moi. Et j'ai l'impression que dans Tarkov, c'est un problème, quoi. Sauf que bon, y a des gens qui pensent comme moi. Sauf qu'à chaque fois que j'ai dit ça à quelqu'un, on m'a toujours dit oui, mais non, mais c'est parce que t'es pas habitué. Oui, c'est parce qu'il faut les com tags, il faut les casse. Mais non, c'est juste que la spatialisation dans ce jeu est daubée, quoi. C'est tout. Un excellent de spatialisation. Mais Callisto Protocol, en termes de spatialisation, était excellent aussi. Il était très très bon. Oh la merde. Vas-y, on va passer... C'est-à-dire que même Call of Duty, même la spatialisation dans Call of Duty est mieux faite, quoi. Alors pourtant, putain, en termes de son, le jeu, il est pourrave, quoi. Pourquoi elle était en mode make it stop, alors du coup s'il a rien vu. I lost him in signal again. Just get the SOS beacon. I want off this fucking ship. Une grosse ambiance, hein, on apprécie, une ambiance chaleureuse, hein, qui donne envie de s'installer, faire sa vie ici, fonder une famille, tout ça quoi. Oh bordel! Ça marche.
Fun, je sais pas. J'ai mis 3 ans à réagir, je comprenais pas ce que j'observais. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe là devant moi? Je me suis dit, bon bah en fait, dans tous les cas, tire quoi. Tu comprendras plus tard quoi. À l'américaine quoi. Tire et on discute après quoi. Mais. Ah mais. Monsieur Forêt. Ah non, mais c'est. Je prends lui. Oui, parce que. Ambiance chaleureuse quoi. Salut Kiwi, comment ça va? Tranquillement, tranquillement. Bon, petit point, qu'est-ce qui se passe au niveau des munitions, là, parce que... Ok... On va essayer de switcher cette arme avec une autre. Bah écoute, moi, ça va, mais bon, comment te dire, quoi. Voilà, il y a des jeux, plus relaxants que celui-là, quoi, c'est juste... C'est juste ça quoi, mais après ça va, on passe un trait. Après ça va de manière globale quoi. C'est-à-dire que ça ira mieux quand on jouera un autre jeu quoi. Ouais. Ah, mais, je sais pas si c'est la fatigue et tout ça parce que genre la dernier stream. Pour une certaine raison, je ressentais plus trop la peur. Là, aujourd'hui, oh, je suis dedans, quoi. On est en plein après-midi et tout, quoi. En plein après-midi, mais oui, si. Là, aujourd'hui, là, oh, je suis pas bien, hein. Bon alors dernière fois que j'ai fait... Ok, on nous attendait au tournant quoi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir... Hop ça. En vrai maintenant j'ai envie de upgrade cette arme là. Genre cette arme là je la trouve... Ah bah oui c'est... Oui. Ah oui l'ambiance est carrément pesante, ça y a pas à dire. Hein. Et après je kiffe hein. Mais bon c'est à dire que... C'est un peu overkill d'utiliser cette arme pour juste... changer d'arme.
sick. Adrien ! C'est toi, Adrien ! Oh, j'ai pas assez de voix pour... Oh my god, I can't believe you're here. I thought I'd never see you again. I'm gonna get us home. There's an SOS beacon nearby. We can call for help. The beacon, right. They locked it in the workshop, but my clearance can get us in. This way. Alors, parce que autre chose aussi, parce que comme un connard, j'ai pas arrêté de parler pour mon introduction et tout ça, et j'ai revu le début du jeu chez un autre stream. En fait, c'est notre meuf. Moi, j'étais passé complètement à côté de cette information qu'on avait une meuf. Et que c'est aussi pour ça que Isaac, il a choisi cette mission, parce que... voilà. Il faisait 6 mois qu'il avait pas vu sa meuf, il avait pas de news. Et donc, s'envoyer des appels téléphoniques, des visiophoniques, voilà, on va appeler ça comme ça. Mais ça faisait genre une semaine qu'il n'avait plus de news. Donc en fait, il est aussi là pour sauver sa meuf, quoi. Et pas juste là en mission, quoi. Oh mais pourquoi j'ai cette arme de merde alors qu'ils sont pleins, putain ! Oh, ça va m'aider ça. Damn, son. It's done. The workshop's open. I've never seen you at work. You're a surgeon with that thing. I got your back. Okay. How do I reach you? No, focus on launching that SOS beacon. There's maintenance ducts everywhere. I'll catch up. Okay, Adrien. C'était pas ma guerre. Putain, d'habitude j'arrive à le faire pas trop mal, mais j'arrive pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ça coince. You'll put things back the way they were. And make us whole again. C'est trop bizarre parce que... Moi je me demande si c'est pas une hallucination d'Isaac, hein, parce que... Bon, elle a pas l'air hyper contente, y a que Isaac qui est content de la retrouver, quoi. Elle a pas l'air hyper contente de, tu sais. Dans ce genre de cas, t'as sans doute cru que t'allais mourir des milliers de fois. Peut-être que tu reverrais jamais ton mec. Et en mode, just another day, quoi. Genre, elle s'en fout un peu, quoi. J'ai l'impression. Ouais, aussi. Non, mais, ouais, mais tu juges, c'est parce que tu juges, ça, Kili. Mais... Et bon, j'ai l'impression que l'émotion, il est que d'un côté, quoi. On juge pas, c'est ma meuf qui dit. C'est pour ça. C'est vrai que ça s'en fout de moi. C'est pour ça que pour moi c'est soit elle est. Je sais pas, c'est bizarre. Soit elle fait partie de la secte là. Soit. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre, quoi. Soit c'est une projection de l'esprit de Isaac, soit. Il y a un truc qui va pas, quoi. Je sais pas quoi, mais. Isaac, j'ai perdu mon signal, comme Hammond. Je suis bien. J'ai le SOS beacon. Nicole m'a aidé. Nicole est là. Nous avons été séparés. Elle va trouver son chemin. He's a trooper, huh? I'm heading back to the mining control room. I'll launch the beacon. You watch out for Nicole.
assuming the system doesn't fizzle out again. Stay sharp. Alors attendez, du coup... Attendez, qu'est-ce qu'on a comme munitions? On a des munitions de... Du choc laser, ouais, bah choc laser, ok, on est équipé. Méga PK, est-ce qu'on reviendrait pas sur le méga PK vite fait? Parce que... Hop. Bon, déjà on va recharger ça. Ensuite on va recharger ça. Ensuite on va recharger ça. Et on va jouer... En vrai on va jouer... On va jouer choc laser, hein. On est au courant, on est au courant, oui. Et tu vis une vie difficile. Oula. Ah, il est souple, lui. Il a fait un grand écart, là, pour nous accueillir, là. Ah. Il est où, ton papa? Il est où, ton papa? Oh, fuck. Attends, tu vois. Ah oui, mais d'accord, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est... On est retourné là, parce que c'est ce que j'ai défoncé tout à l'heure, ok. Ah d'accord, non, ok, en fait, il a pas son papa qui lui fait spawn, mais genre, c'est... Misclic. Le misclic, le chat. Il a rien looté là. Enfer. À quoi ça me sert d'être en low gravité en fait? C'est de la merde, non? Quel est l'intérêt? Expliquez-moi. Ah oui, mais juste de revenir à l'endroit initial, c'est de la merde. Non ? C'est un peu de la merde, cette histoire. Ouais, c'est complètement de la merde. On connaît ça. Je comprenais que c'est de la merde, ça.
Mais la fais pas à moi. Exiting zero gravity. Je dirais même, mais c'est la merde! Mais putain, mais j'ai pas de voix aujourd'hui, j'arrive pas, j'arrive à rien faire quoi. J'arrive à faire aucune imitation, le chat. Je sais pas pourquoi j'ai pas de voix. Un rig de mineur intermédiaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire? C'est un truc pour upgrade notre combinaison? Allô ? Qui me parle ? Allô ? Oh putain. Meurs ! Voilà. C'est ce qu'on veut. J'étais pas mâchoué, hein. Ok. Waouh, mais au niveau munitions, là, c'est critique, là. Là, fou. Comment dire quoi? Bah écoutez, on va jouer fusil d'assaut, hein. Pas le fou. Hein. J'avoue qu'il y a deux armes. En fait, c'est marrant parce qu'il y a deux armes avec lesquelles je suis pas complètement rassuré. C'est le fusil d'assaut et le découpeur, alors que en fait genre les deux armes sont pas mauvaises quoi, mais c'est peut-être les moins bonnes en fait. C'est vrai que bon, le fusil d'assaut c'est très bien. Bon, j'imagine qu'une fois que t'as augmenté les dégâts au max, ça doit être énorme, mais c'est surtout son tir alternatif qui est excellent. Et le découpeur c'est très bien aussi, mais à partir du moment où les ennemis sont à distance, bah c'est pas ouf quoi. Du coup, bon. C'est vrai que quand j'ai que les munitions du fusil d'assaut, bon, je suis pas serein quoi. Encore le découpeur ça va, je trouve plus polyvalent. À distance t'es pas ouf, mais il se passe un truc quoi.
Parce qu'avec le fusil d'assaut, en fait, t'es obligé d'utiliser son tir alternatif. Enfin, obligé. Si tu veux être efficace, t'as envie d'utiliser son tir alternatif. Sauf que, bon, ce tir alternatif, ça consomme en munitions comme Jaja, quoi. Alors, du coup, on est en mode Cutter's Plasma maintenant. Et du coup, depuis qu'on s'est rendu compte que. Je veux la cadence de tir ou le rechargement après? Je sais pas, vas-y. On... Hein? Donc on n'a pas un truc. On n'a pas une. Mais attendez, parce que. Mais, du coup. Ça là. Pour pouvoir acheter un rig de mineur intermédiaire. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça va me permettre? À quoi ça sert? Ah! Ah mais voilà! Ah ben let's go! Ah mais c'est 20 000 par contre! Ah ouais! Ah ouais! Je crois qu'on va économiser pour ça. Hein. Je crois qu'on va économiser pour ça. Et 20 000 pour l'armure en vrai. Hein. Juste parce que c'est stylé. Après 10% de d'armure, c'est pas mal aussi, quoi. Mais bon, je le fais plus pour le style. Hein. Sinon, moi, si je m'écoutais, on irait full dégâts. Hein. Bon, écoutez, étant donné qu'on a retrouvé Nicole, il faut pouvoir lui plaire avec une armure absolument magnifique, parce que visiblement nos retrouvailles lui ont pas fait grand chose, quoi. Alors je sais pas si c'est l'odeur ou le sang qui dégouline de mon armure, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Hein. Bref, YouTube, arrêtez cette VOD beaucoup trop longue, je sais pas trop. Bref, non mais vous savez, les VOD c'est au feeling ici. Et bisous YouTube. Très bientôt pour la suite de nos aventures, bien sûr, sur ce jeu magnifique. See you next time. On kiffe, mais on flippe, quoi.